Hey, bonjour à tous, je me présente, mon nom est Jessica. Je suis coach en formation neurolinguistique. Je fais du coaching de vie, du coaching familial ainsi que du coaching de couple et j'avais envie de prendre un instant avec vous pour vous parler de comment maîtriser ses pensées en tant que telles. C'est important pour moi de vous aider à prendre conscience que vos pensées peuvent vous amener très loin, peuvent vous amener à la destruction comme peuvent vous amener à la réussite. Et c'est important pour moi de vous aider à prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est pas moi, c'est pas le voisin, c'est pas personnel dans votre environnement, mais bien vous en tant que tel. C'est important pour moi de vous aider à prendre conscience que ces pensées-là en tant que telles ont un impact sur votre vie en général, dans toutes les sphères de votre vie. Donc c'est important que quand vous avez des pensées négatives, c'est des pensées qui nous amènent très loin, que ce soit des idées noires, que ce soit encore des pensées qui sont néfastes pour soi, ou encore qui nous limitent, qui nous bloquent, qui empêchent d'avoir une estime de soi beaucoup plus saine, beaucoup plus grande en tant que telle. C'est important de prendre conscience que votre pensée ne vous définit pas. La pensée en tant que telle, c'est qu'un outil, OK? On a 26 000 pensées par jour, OK? Approximativement. Donc, est-ce que vous avez conscience? Est-ce que vous avez le contrôle de chacune des pensées qui vous passent par la tête, OK? Donc, c'est important pour moi de vous aider à comprendre que c'est pas vos pensées qui vous déterminent ou vous définissent, OK? Donc, c'est important de prendre conscience qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez des pensées négatives, mais qu'est-ce que vous allez faire pour vous restructurer? Reprendre le contrôle de ces pensées-là en tant que telles. Reprendre le pouvoir derrière. Donc, des fois, c'est juste de reformuler, OK? Donc, si, mettons, je me dis, moi, j'ai jamais de chance, bien, c'est de se dire, écoute, je m'offre la possibilité, la chance. Vous avez tendance à toujours vous excuser. Remerciez les gens d'avoir patienté au lieu de dire, ah, je m'excuse, je suis arrivé en retard. Merci de m'avoir attendu. Donc, de vraiment prendre conscience que cette pensée-là, il y a une possibilité que ce soit négatif ou positif. Et vous avez le contrôle à chaque instant de catégoriser votre pensée en tant que telle. Donc, si jamais vous avez été programmé autour de vous dans des situations ou des environnements qui sont beaucoup autodestructeurs ou qui vous limitent, c'est important de reprogrammer ces pensées-là pour vous offrir davantage. Donc, prenez un papier puis un crayon cette semaine puis dites-vous, c'est quoi toutes mes croyances négatives? C'est quoi toutes mes croyances qui sont néfastes? C'est quoi tout ce qui m'empêche, dans le fond, de me propulser, d'avoir la vie à la hauteur de ce que je mérite, tu sais? Puis aussi de m'honorer en tant que personne. Parce qu'on est tous pas parfaits. On est là pour apprendre et expérimenter et grandir. Donc, qu'est-ce qui vont être les croyances supportantes ou encore les pensées supportantes qui vont me propulser vers ce que je veux et non toujours éviter vers où je veux aller ou que je dois aller, tout simplement. Ou encore, pas avoir le contrôle de ma pensée en tant que telle. Donc, c'est important pour moi que vous preniez conscience qu'on a un conscient, on a un inconscient. On a aussi notre pensée et on est en haut de ça. Donc, je vous invite à être de la maîtrise. Prenez la maîtrise de vos pensées. Montez un petit peu plus haut. Comme ça, vous pouvez monter une échelle. Puis reprogrammez vos pensées au quotidien. Quand vous surprenez-vous, tout simplement. Surprenez-vous à vous récupérer. OK? Surprenez-vous à prendre du temps pour voir les choses différemment. Prendre le temps de se recentrer en tant que tel. Dire, hé, là, je tourne dans du négatif, là. Faut que je reprenne le pouvoir de mes pensées, là. Fait, qu'est-ce que je vais faire en ce moment pour stopper le négatif et que je passe au positif, tout simplement? Alors, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Moi, je profite du soleil. J'espère que ça a pu vous aider un peu, mais c'est vraiment important que vous preniez conscience parce que vos pensées peuvent vous emmener très loin. Et on n'a pas conscience, malheureusement, de toutes les pensées qui nous traversent l'esprit à chaque jour. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre conscience des pensées qui vous habitent. Puis quand vous avez tendance à pencher vers une pensée qui pourrait vous faire mal, ou vous limiter en tant que tel. C'est de la restructurer et de s'offrir davantage. J'ai une capsule qui va s'en venir bientôt sur comment ne pas se faire mal avec nos pensées. Donc, en ce moment, c'est vraiment de vous aider à essayer de récupérer le cap. Okay? On essaie de se recentrer. Puis à un moment donné, à force de penser positivement, on va attirer plus de positif. Donc, si vous avez tendance à vous dire « Ah, j'ai mal ci, j'ai mal ça. » OK, aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je suis reconnaissante que je passe du temps sur le bord de la mer. Je suis reconnaissante du super beau coucher de soleil. Je suis reconnaissante de ce que j'ai mangé. Et puisque vous allez générer cette énergie-là, puisque vous allez nourrir vos pensées positivement, puisque ça va rebalancer votre système et, dans le fond, vos pensées, et progressivement, vous allez pouvoir attirer plus de positif. Alors, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Moi, c'était ma petite capsule pour vous aider à penser plus positif. Parce que plus qu'on pense positif dans la vie, mieux c'est et on attire davantage. Donc, ça a un effet boule de neige aussi, OK? Si moi, je vibre de façon positive parce que je crois en moi, parce que je veux foncer, parce que je veux me permettre la chance de réussir, parce que c'est ça aussi, hein? C'est de se dire, non, je veux pas réussir, non, je veux me permettre la chance de réussir. J'ai le droit de réussir comme tout le monde. Donc, à ce moment-là, je vais structurer mes pensées et je vais attirer les gens autour de moi qui vont être positifs et qui vont pouvoir me nourrir. Alors, sur ce,
Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui ont écouté la capsule. Et laissez des commentaires, partagez. Prenez le temps, tout simplement, de prendre possession du pouvoir de vos pensées. Et réalisez à quel point ces pensées-là ont pu vous amener dans des terrains glissants, des terrains dangereux, versus quand vous pensez positif, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Laissez des commentaires. Sur ce, bonne journée! Bye!